Shidinma et Kill biographie, âge, taille et autres faits. Shidinma est une chanteuse, compositrice et artiste nigériane qui est arrivée sur la scène musicale après avoir remporté la troisième saison de Project Fame West Africa. Depuis, elle est devenue l'une des chanteuses les plus fortes et les plus sensationnelles que le Nigeria ait jamais vues, aux côtés des gros hitters de l'industrie et remportant plusieurs prix, notamment la meilleure actrice ouest africaine au Kora Awards 2012. Elle est populairement appelée "simple inversé MS". Kedike, un nom inventé de son single le plus populaire intitulé Kedike. Biographie. Shidinma est née Shidinma Ekil le 2 mars 1991, sixième des sept enfants de ses parents à Ketu, Kossof, état de Lagos, où la famille a vécu très longtemps. Cependant, la famille Ekil est originaire d'Imo, un état du sud-est du Nigeria. Shidinma a confirmé qu'elle était née aveugle, mais qu'elle était incapable de retrouver la vue après 16 jours. La talentueuse chanteuse stressée a commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Grâce à son père, à l'âge de 10 ans, elle a pu rejoindre sa chorale d'église, où elle a tordu l'ecclésiastique avec sa voix. Elle a fréquenté l'école primaire et secondaire à Ketu avant que sa famille ne déménage à Ikorodu. Shidinma assistait à sa pré-audition post-UME pour le concours Project Fame sponsorisé par MTN. Elle faisait partie des 8000 aspirants participants qui sont allés à des auditions et ont ensuite été sélectionnés avec 17 autres pour accéder à la Fame Academy. À la Fame Academy, la jeune adolescente réservée, qui se décrivait simplement comme une église ordinaire qui aimait chanter, s'est donné une chance de grandir et de développer ses capacités. Tout le monde pouvait regarder la transformation à chaque étape de la compétition alors qu'elle travaillait avec divers professionnels de la musique qui avaient beaucoup à dire sur elle. Shidinma est devenue la gagnante de la saison 3 de Project Fame en 2010. En récompense, elle est repartie avec un prix en espèces de 2,5 millions de naira, un véhicule Toyota RAV4 et un contrat d'admission d'un an. Depuis son succès, Shidinma est devenue un succès retentissant sur la scène musicale nigériane. Elle a donné aux fans des bangers de radio comme Yankoliko, Kedike, Emini Balls, Run Diamous, If No Be God, entre autres. Elle a également mis en valeur et collaboré avec les plus grands noms de l'industrie tels que Flavor, Sound Sultan, Eldi et bien d'autres. De même, elle a également travaillé avec des producteurs de premier ordre tels que Koga Mazuko et T-Mix. Ses plus grandes influences musicales incluent Michael Jackson, Fela Kuti, Bob Marley, Mariah Carey, Alicia Keys, Whitney Houston, Omawumi, Onyeka Onwenu, Lagbaya et Darey Aralad. Shidinma a dédié sa chanson Martha à sa mère Martha Ekil pour être là quand les médecins l'ont confirmée aveugle. Elle est allée jusqu'à créer une fondation à but non lucratif appelée la Fondation MMA, qui s'adresse aux personnes malvoyantes et les aide à atteindre certains de leurs objectifs. Parlant de sa fondation, Shidinma a dit un jour « Je consacre toute ma vie de manière désintéressée et gagne ma vie en m'occupant des malvoyants, aveugles. La vie est une œuvre d'art si merveilleuse et colorée, et cela doit ressembler à l'enfer de ne pas imaginer la création de Dieu. La MMA Charity Foundation est mon petit don au monde. » Depuis, elle a effectué un travail important avec sa fondation au Nigeria et à l'étranger, en particulier au Togo, où elle a travaillé avec SOS Village. Avec une carrière musicale réussie à son actif, Shidinma essaie actuellement de terminer ses études universitaires. Elle est actuellement inscrite à l'université de Lagos, où elle étudie la sociologie. Elle avait auparavant l'intention d'étudier la communication de masse. Taille et autres faits sur Shidinma Ekil. Shidinma mesure 1,57 m. Elle est la première femme musicienne à se hisser au premier rang du top 10 officiel de MTV Base Naija. Au Kora Awards, elle a battu Owamumi et plusieurs autres grands numéros pour remporter le meilleur acte féminin d'Afrique de l'Ouest, qui lui a été remis par le footballeur ivoirien Didier Drogba. Shidinma Ekil est une ambassadrice de la marque MTN. En 2013, Shidinma aurait jardiné dans une sextape qui a été divulguée sur Internet. Elle a nié que c'était elle, disant que la femme sur la bande était juste un sosie. Depuis, elle a déclaré que l'expérience avait été traumatisante pour elle, mais a remercié sa famille et ses amis pour leur soutien.